1921, après 7 mois de gestation, autrement dit, ils sont déjà prématurés, avec quelque chose de très rare. Je suis né coiffé. Une partie du placenta était sur ma tête, et ça s'appelle né coiffé du bonheur pour toute la vie. Et vous allez voir que ça m'a été très utile. J'ai fait mes études, j'ai passé un peu partout. Je démarre à Albert, dans la Somme. La Picardie, c'est meilleur. La Picardie, c'est meilleur, oui. Je suis né à Lens. Hein. J'ai démarré à Albert, nous avons fait l'exode, mes parents et moi, d'Albert jusqu'à Angoulême à pied, ça fait très loin. Et puis, nous sommes rentrés à Albert, et là, j'ai été embauché à l'usine d'aviation de Méholt, ça s'appelle les usines Henri Potez. J'ai été embauché comme mécanicien. Et puis, j'étais au moteur d'avion. L'usine était occupée par les Allemands. Hein. Et là, je me suis dit, je ne vais pas rester comme ça. J'ai saboté les moteurs d'avion. Attendez, c'est pas fini. Et saboté les moteurs d'avion, j'ai été arrêté. Les Allemands sont arrivés en mai 40. Et personnellement, j'ai été arrêté le 19 novembre 1940. J'avais 18 ans. J'ai été condamné à mort. Alors pourquoi tu as été arrêté, dis-le ? J'ai été arrêté pour sabotage. Dénoncé, bien entendu. Donc condamné à mort, mais je me suis retrouvé dans la cellule des condamnés à mort avec menottes et tout. Et puis là, ma bonne étoile a joué. Dans cette usine, il y avait 2 directeurs. Et là, quand j'étais arrêté, il y en avait qu'un, un jeune. Mais là, pas de problème. Hein. Sabotage, fusillé. Le lendemain, son collègue est rentré. C'est un homme qui avait fait la guerre 14-18. Et quand les Allemands sont arrivés, en mai 40, ils ont fait des affiches partout, les Allemands sont gentils, etc. Très bien. Alors lui, il a dit, il avait fait la guerre 14-18. Il a dit, si tu fusilles ce gamin, eh bien on va avoir la population sur le dos. Hein? Alors là, il a réfléchi un peu, d'accord. On m'a fait passer devant le tribunal militaire. J'ai été condamné à 2 années de prison à la maison d'arrêt d'Amiens. J'ai fait ces 2 années de prison. J'étais 2 années. J'étais seul pendant 6 mois parce que il n'y avait pas de résistant, il n'y avait rien, ça n'existait pas. Hein. Il y avait 1 an et demi que j'étais en prison. Un jour, un gardien me dit « Tu sais réparer les vélos ?» Ben, j'ai dit oui, hein, c'est sûr. J'étais donc dans une cellule, je réparais les vélos. Et un jour, l'ordre arrive de la commandantour, tous les condamnés à plus 1 an de prison devaient être transférés à la centrale de Clairvaux. Ben, je me suis trouvé avec les copains dans la cour et mon sac. Et le directeur, il dit, hé là, toi tu répares le vélo, retourne dans ta cellule. La semaine suivante, le gardien m'a dit, tu sais, tu as eu du pot. Tous tes copains, il y en avait 50, ont été fusillés comme otages. Merci pour la bicyclette. J'ai fait mes 2 années de prison. Je suis sorti, tranquillement. Et un jour, je rencontre un copain d'école. Je lui dis, ah bon, t'es bien. Il dit, Rémi, tu connais la musique? Je lui dis, non, je ne connais pas. Ben, il dit, écoute bien, il avait créé un orchestre. Dans une pipe, en une année de temps, j'ai appris le solfège, j'ai appris la guitare, j'ai appris le saxophone. Endormi, tous les jours j'ai travaillé ça.
On a fini par jouer à Paris, à la salle Pleyel. C'était pas rien. J'ai écrit des chansons. J'en ai écrit pour ma femme, bien entendu. Alors, c'est pour ma femme, bien entendu. Hein. Et puis, il fallait que je travaille. Je m'embauche, par la force des choses, dans un dépôt de machines, de locomotives, des petits tortillards. Très bien, me voilà parti là-dedans. Et voilà que Vichy décrète le service de travail obligatoire. Alors, ce service consistait à envoyer un ouvrier en Allemagne et en contrepartie, on libérait deux soldats français. J'étais le seul célibataire. Me voilà désigné parti en Allemagne. Donc, me voilà Westléo. Au bout de 3 mois, je me blesse au poignet, j'ai une fracture. On me donne 15 jours de vacances, pas de vacances, mais de congé, pour me rétablir. Ben, j'y suis pas retourné. J'y suis pas retourné. Alors oui, mais les Allemands, ils venaient à la maison. Parce que j'étais sous contrat, il fallait que je retourne en Allemagne. Je ne pouvais pas rester. Et je me suis réfugié chez un copain. Un copain vraiment qui a pris des risques. À Péronne. Et là, à Péronne, pour payer un petit peu mon séjour, je travaillais chez un minotier, j'avais juste à contrôler l'appareil. Et puis le matin, je faisais la nuit là-bas, et le matin je rentrais. Et je rentrais avec de la farine. Flûte un matin, les flics m'arrêtent. Marché noir. Et là, j'étais perdu. Parce que coupable de marché noir, c'était la prison immédiatement. Là, j'étais perdu et je me suis dit, tant pis. Je suis à la gendarmerie. J'ai demandé à voir le commandant. Alors, il y avait les flics qui m'arrêtaient. Ouais, rien à faire, tu ne l'auras pas ta farine. Dit, je veux parler au commandant. Alors, j'arrive dans le bureau, le commandant me reçoit. Il y avait des gendarmes avec lui. Il dit, je voudrais vous parler seul à seul. Il fait sortir et il dit, voilà, je suis recherché par les Allemands. Ma vie est entre vos mains. Il m'a dit, vous êtes courageux, vous pouvez compter sur moi. Et j'ai été tranquille. Hein. Oui, mais après, je n'ai pas pu rester. Donc, à ce moment-là, j'ai rencontré un copain, un maquisard, un chef de maquis, et me voilà parti dans le maquis. Alors là, on a fait du sabotage. Hein. Il y avait des lignes de chemin de fer, il y avait à distribuer des tracts, enfin bref. Bref. Et un soir, nous étions 4, et puis nous devions exercer un sabotage. Et on avait notre chef, on était allé chercher nos fusils dans une réserve que seul le chef connaissait, et puis bon, voilà. Et puis, il fallait traverser la ligne de chemin de fer. Et le chef, il dit, qui est-ce qui va en reconnaissance, là? Personne ne se désignait, j'ai dit, j'y vais. Avec regret, je vais dire pourquoi. Parce qu'à l'âge de 4 ans, je me suis mis un morceau de corie dans l'oreille. On était dans les mines à l'époque. Et puis, comme ma mère est avec une épingle à cheveux longs comme ça, enfin bref, je suis passé à l'hôpital, on m'a arraché tout. Donc, depuis l'âge de 4 ans, j'entends plus d'oreille droite. Bien. Alors, c'est bien. J'avance dans l'herbe, en attendant qu'il me suive, je me couche. Puis j'attends. Mais il venait pas. Puis d'un seul coup, je vois des ombres qui sortent à ma droite. Mais c'est les copains. Je me lève. Halt ! C'est un Allemand. Alors, pas de problème, moi j'étais armé. Pas. J'ai tiré. Et l'Allemand, il a été tué. Hein. Mais après, à pied, après, je me suis sauvé. Hein. Je me suis sauvé. Et pendant ce temps-là, les Allemands, ils ont été alertés, ils sont venus. Et ils ont arrêté les copains. Les copains ont dit, mais c'est Rémi. Moi ? Ben oui. Et moi, j'étais pas là. J'étais parti rejoindre le point de rencontre. Hein, parce que dès qu'on était pris, il fallait pas rester là. Bref. Et puis, j'ai continué à faire du... Et puis alors, pendant ce temps-là, ils sont venus à la maison. Ils ont demandé où j'étais. Excusez-moi. Hein. Et mes parents ont dit, mais vous l'avez emmené en Allemagne, on ne sait pas où il est. Ils ont pris ma sœur, tac, ils l'ont déporté à Ravensbrück.
Ensuite, mes copains étaient tabassés. Ils ont dit, mais s'il n'est pas chez lui, il est chez sa fiancée. Ma femme, il y avait 3 semaines que je la connaissais. Alors ma femme, on s'en souvient, elle a dit, mais il ne pourrait pas être sur les lignes de chemin de fer, puis on a passé la nuit ensemble. Alors j'ouvre une parenthèse, il y avait 3 semaines que je la connaissais, j'ai pas besoin de vous dire qu'en ce temps-là, on ne couchait pas facilement. Hein. Et ça, je vous dis. Bon. Et alors, elle aussi a été déportée à Ravensbrück pendant 13 mois. Pendant 13 mois, et pendant ce temps-là, moi j'étais dans le maquis, je ne savais rien. Alors, à la libération, comme j'étais connu, à part la musique, les chants et tout ça, Rémi, Rémi par-ci, Rémi par-là, mais quand j'ai appris ce qui s'était passé, alors je n'ai pas voulu rester là. J'ai rejoint la première armée à Colmar, et j'ai continué la guerre, et j'ai terminé la guerre à Karlsruhe exactement. Et après ça, on est à la quand j'ai terminé mon service militaire, il fallait. Alors j'étais instructeur à l'école des cadres à Strasbourg, vous allez rire. J'ai été sélectionné par le maréchal de Lattes lui-même. On était une série, j'avais fait un stage de sport, alors vous allez rire avec ça. Je faisais du sport en même temps que j'enseignais tout ce qui était militaire. Et figurez-vous, j'étais maître-nageur. Il n'y avait pas de titre à l'époque. Et j'ai enseigné en natation la méthode Hébert. Et je suis certainement le seul parmi vous à avoir eu cet honneur-là. Oui. Alors bref, après ça, je suis entré au chemin de fer. Et puis, un jour, le chef de gare, il me dit, vous êtes parti, vous, puis j'avais mes titres de l'armée. Il dit, on fait des colonies de vacances, on est en train de réorganiser ça. J'ai suivi un stage spécifique, on appelle BAFA aujourd'hui, quelque chose comme ça. Et pendant 5 ans, j'ai encadré les colonies de vacances, et en même temps, je suis devenu directeur de colonie. Bon, après ça, j'étais au chemin de fer, j'ai été nommé à Metz. Alors là, à Metz, ben, j'étais pris par le sport malgré moi. Et puis un jour, j'ai rencontré des copains qui étaient dans plusieurs clubs. Et puis on a décidé de se rassembler et de créer une seule unité. Donc, on a créé la Société de Natation de Metz. Nous étions 4 et je suis le seul survivant. 98. Alors tenez-vous bien, pendant des années, j'ai jamais touché un saut de natation, je vous le dis tout de suite, j'ai toujours voulu faire du bénévolat. J'ai appris à nager à des milliers d'enfants. Hein. Alors, je reviens là-dessus. La société, c'est fou ça. Alors moi j'étais autour du bassin toujours, puis eux ils faisaient la fête et ils banquaient tout ça. Et un jour ils ont fêté les 20 ans de la société. Je suis le seul survivant. Ils ont oublié de m'inviter. Vous voyez ? Alors, les enfants m'ont donné beaucoup de bonheur. Hein. Et ensuite, à la SNCF, le directeur de la SNCF m'a dit, « Monsieur de Souverberg, j'ai appris que vous étiez maître-nageur. » Je dis, « Oui, bien sûr, oui. » Il dit, « Il faudrait qu'on crée une société de natation. » Moi, j'ai créé une société de natation chez les cheminots. On a fait des concours internes. J'ai eu 5 champions du monde chez moi. Voilà. Et Voilà pour cette chose-là. Je suis en train de chercher mon jour, je suis maintenant. Et après, tu es rentré dans le syndicat. Ah oui, alors oui, justement, ça c'était quand même important. Après, je suis rentré dans le syndicat, oui, j'y suis toujours, hein, mais aussi à Jeunesse et Sport et à la Protection Civile. J'ai travaillé plus d'années que dans ma carrière de cheminot. Et tout ça pour le plaisir. Voilà, résumé, ma vie. Ouais. Voilà. Et on peut dire mon père, ce héros, pour reprendre un titre.
Alors, au nom de la fédération, je te remets la médaille du mérite fédéral, monsieur Rémi Le Sauvert, avec la médaille qui accompagne. Voilà. C'était normal que je vous explique ma vie, hein, parce que j'ai pas beaucoup de connaissances. Alors, cette médaille, avec un beau porte-clés aussi de la fédération. Voilà cette médaille, je la montre à tout le monde. Hein. Voilà. Et en plus, notre directrice, Sandrine, te fait aussi un cadeau. Ouh là, hein, un cadeau et fait une lunette. Ah, ok, merci. Merci beaucoup. Merci. Sandrine, 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 Sandrine. Une carrière comme ça, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui pourront un jour en parler. Hein. J'avais oublié la finalité. En sortant du maquis, dans un petit village, il y avait les Anglais qui arrivaient. Nous, on sortait du maquis. Et puis, il nous vient l'idée. Il y avait une petite gare de chemin de fer économique qui était plus loin. On va voir ce qui se passe là-dedans. Nous y étions trois. On encadre la petite gare. Je fais un grand coup de pied dans la porte. Il sort 14 Allemands qui lèvent les bras. Et pour ce fait, on m'a proposé la croix de guerre. Je l'ai refusée parce que c'était trop bête. J'ai pas voulu. Voilà. Quel plaisir de t'avoir parmi nous, Rémi, aujourd'hui. Je suis heureux d'être avec vous aussi. Voilà.